Hello, c'est Namiria Alpha. Je continue mon gameplay sur le jeu Last of Us, deuxième partie. Et dans la précédente vidéo, partie, on a vu tout simplement une nouvelle sorte d'ennemi. Si on peut appeler ça comme ça. C'est juste, on a vu des groupes de des coureurs. On a joué avec Abby. Et on a essayé, on a réussi à s'échapper de cette course. La vache, c'était chaud. Mais j'avais raison, c'est effectivement Joël que le groupe de Abby cherchait. Elle leur a indiqué la planque de ce groupe et les a amenés là-bas. Et elle a tué. Elle a tué Joël. Elle a blessé. Ils ont, disons, blessé un peu Tommy. Ils ont torturé Joël. Et devant les yeux de Ellie, qui est partie à sa recherche, elle l'a tué. Voilà. Maintenant, personnellement. Bon, Ellie maintenant elle veut partir à leur recherche, elle veut le venger. Je peux très bien la comprendre. Je veux pareil, mais je veux savoir d'abord pourquoi. Qui sont ces gens et pourquoi ils ont torturé et tué Joël? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour qu'il le traque jusqu'à Jackson? Pour faire ça quoi. Pour le tuer, pour le trouver quoi en fait. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un petit salut en russe, puis après on continue le gameplay. D'accord? Privé système, ça m'a démarré Alpha. Il y a pas d'argent à mon gameplay, c'est parce qu'il est à Niznas. Très partie. What? И в том видео, в прошлом видео мы видели, как на нас нападали очень много этих инфекты. А, называть я не знаю. Но... Вот. И в конечном итоге эта группа с Аби. Они нашли Жуэль и Томми. Я была права в первой части, потому что говорила, что она ищет Жуэль. Я не знала, что это был он, но это как игра. В этой игре есть только Жуэль и Эли, как самые первые актеры. Я думала, он, значит, это Жуэль. Короче говоря, была ловушка. Она туда и пригласила в их такой вот мануар, в их большой такой дом. Там ее друзья. Вот. Они его покалечили. И на глазах Ильи его убили. Нашего Жуэля. Мне просто больно это было. Я была прямо аж до слез. Это было как-то мне... Непонятно. Такой выбор истории. Нил Дракман, я не понимаю, почему так не сделали. Но это все будет объяснено в игре во время этого геймплея. Все знается. Сейчас Элли хочет пойти их найти, этих людей, и просто их убить. Для мести. Это я понимаю. А я вот хочу просто понять, почему они это сделали. Почему они так далеко от них? Вообще, кто они такие? Я не понимаю вообще, что за люди, как они его знают, тем более знали его имя и фамилию. Как они могли его знать, как они могли его... Почему его искали так долго и так далеко? И хочу просто понять, что, как и почему. Это просто... Для меня это дико было прямо аж. Это... Ах, блин.
Я ревела полчаса. Но сейчас нормально, сейчас буду играть и буду смотреть, как это будет. Сейчас Томми попросил Эли, чтобы она подождала еще день, чтобы он поговорил с Мария, чтобы переубедить ее, чтобы, может быть, послать многих людей, найти этих убийц Жуэль. И теперь увидим, как это будет, что будет. Вот. Вот без этого момента, вот как его убили, игра, конечно, классная. Игра очень хорошая игра, но просто... Я надеюсь, что мы поймем, почему они это сделали, почему вы так далеко искали его, почему его убили. А потом я их тоже убью. Вот и все. Такие вот истории. Поехали. Donc, on va sauvegarder la partie quand même parce que je suis pas confiante. Voilà. J'ai modifié un peu les paramètres. Pouvez les quoi, sérieux. Passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. D'accord. J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les écuries. Putain de Tommy. On n'a pas quelque part. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Je sais. Je veux juste pas que tu te sentes obligée de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. Repensez tout. Aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'entrée est pour qu'on puisse s'éclipser. Ces fleurs. Tous ces fleurs en plein hiver, sérieux? Vous les avez trouvées où? Je peux y aller, dis-moi ce qu'il te faut. Je veux le faire. Ok. Je vais bien. Viens. Je vais t'attendre ici.
А у вас терапия, да? У меня прямо в ком в горле, понимаешь? En tout cas, ils aimaient beaucoup les chevaux. Les chevaux, hein. Ah, les guitares. C'est eux qui faisaient ces guitares, quoi. Ça reste. Ça montre que sa fille lui a offert ou... Qui marchait pas. Tout va bien? Attends. Sa vie. Ah, Joël. T'es avec ta fille maintenant. Bon, on va descendre, on va voir ce qu'elle veut.
Ah, Maria. Maria, je pars pour Seattle. J'ai essayé d'oublier, mais j'y arrive pas. Ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait. Ellie va essayer de me suivre, mais tu dois l'arrêter. Prends-lui ses armes. Enferme les chevaux. Elle aussi, s'il le faut. Tommy, fais-moi merde. Fais-moi gagner du temps pour régler ça. Ton mari qui t'aime, Tommy. Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. Mais t'aurais non. T'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés. Je l'aurais fait si j'avais pu. Alors, tu comptes m'enfermer? Je voudrais que tu restes. Eh ben, même pas en rêve. Je voudrais que tu restes, mais je te connais. Tu l'accompagnes? Ouais. Alors, vous allez filer en douce. Ouais. À pied? Ouais. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Merci, Maria. Ellie, rends-moi un service. Ramène mon abruti de mari en un seul morceau. Bien sûr. Très bien. Alors partez. Pendant qu'il fait jour. Tommy. Oh, si maintenant Tommy meurt, franchement, j'arrête de jouer. Non, mais c'est pas possible, j'ai pas envie, quoi. Pas les deux frères. Pas les deux frères. Ça suffit, jouer, ça suffit. Le maintenait comme ça, pour le noyer. Et... Joël pouvait pas atteindre son arme. Ça, c'est une séquence du premier. T'as eu peur? J'ai même pas réfléchi. Juste appuyé sur le gâchette. J'ai attrapé son arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un? Tu parles désinfecté? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. 10 ans. Waouh. Il s'est passé quoi? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardé. Putain. Tu m'as battue. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumé là? Non, pas du tout. Non, non. Mais fais-moi confiance. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joël et toi? David. Ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF? Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Bon, bah c'est l'été. C'est parfait. Printemps, été, je sais pas trop. Y a aucun chemin. Je suis... perdu. Ellie, des voitures. Ouais, on touche au but. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Ok, les voitures, c'est bien. Pardon. Ouais, d'accord, mais maintenant je dois y aller où?
ici ou bien? C'est le chemin où j'ai déjà pris. J'ai déjà passé par là. Je sais pas où je vais en fait. Non, non, j'ai déjà passé par là. Je suis paumée. C'est génial. Non, ça me ramène ici. Et après, je vais où? Touche au but. C'est par là? Ah ouais, c'est par là. C'est parti. Bon, moi je me suis trompée. Finalement, tu sais exactement où tu vas. Quel côté il faut y aller? Seattle, le nord. Je suis pas fouillé là. Reste avec Payette. Ouais. Ah, ça me rappelle pas quelque chose. Quand ils avaient un cheval, tous les deux. Joël et Ellie. Dans le premier. Nickel. Encore une carte. Alors, la carte. Ça va être super, je sens. Prends-la avec toi. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé une carte touristique. Bon, c'est déjà ça. Les herbes sont hautes. Méfie-toi, ils sont sûrement bien planqués. Oui, je sais. C'est bien ce qui me fait peur. Je me fie un peu à la musique en fait. Waouh, c'est ça la fameuse ZQ. Ouais. Fais gaffe en haut.
Ben... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, je vais fouiller ça. Good luck, déjà ça. Tu seras à la porte, cherche un soldat du nom de Kiran. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie, donne-lui le kilo et tu laisseras entrer. Oh, ok. Ah mince. Artefact. Est-ce que ça? Non, c'est ça. Ah, je pouvais pas te retourner ou bien? Non, je pouvais pas. D'accord. Il y avait un truc à ramasser dans le premier, c'est des colliers de lucioles. On devait les ramasser pour... Pour le trophée, je crois. Ok. Il y avait quelque chose? Non, pas vraiment. Non, rien du tout. Les coureurs, les rôdeurs, les claqueurs et les colosses. C'est le président de la contre une force motrice de l'autre. Rapide et agile, les infectés niveau 1 se déplacent généralement en groupe. Ne vous laissez pas déborder. Infectés niveau 2 utilisent l'environnement pour se cacher et attaquer ses victimes par surprise. Attaque souvent par derrière. Génial. Soyez prudents et ouvrez l'œil en les approchant. Infecté niveau 3. Aveugle mais à lui développé. Repère ses proies par écolocalisation. Gardez vos distances, les attaques de infectés au niveau 3 sont féroces et létales. Infecté au niveau 4, une évolution rare mais dangereuse de l'infecté au niveau 3. D'une force incroyable et capable de lancer des projectiles d'acide. Ne les affrontez qu'en cas d'absolue nécessité. On n'a vraiment pas le choix, je pense. Hein. Il y avait quoi ici? Ce sont des cages? Des ouais. Cellules. Il y en avait aussi à Boston. Pour faire quoi? Pour garder les infectés ou bien? Les étudier ou je sais pas quoi? Apparemment là y'a rien, y'a rien. Excuse-moi Dina. Hey, salut. Merci. Ok. Bon, ça, on a déjà fouillé, ouais. Je crois qu'elle est là-bas, elle est partie se nourrir, ils sont fous complètement.
J'ai du mal à dormir, j'ai continué à le voir dans sa tête. Avec sa tête, Dina a l'air malade, elle a dû attraper le froid. Je me sens plus calme quand elle est allongée à côté de moi, j'ai envie de lui faire plaisir. Yakima. On a encore vu un camp sur le bord de la route, on ne sait pas si c'était Tommy, mais on n'a vu personne d'autre depuis 2 semaines, donc on croise les doigts. Les intrus sont abattus. Combien vous êtes et combien de personnes vous avez tué? Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose à fouiller? Comment t'es ici? Du coup, pour y aller là, je dois y aller où? Je dois y aller par quel côté? Nous, on est arrivé par la route. Et le cheval, il est où? Ah, il est là-bas. Pas tout fouillé ou bien? Ah. Apparemment pas. C'était des soldats de la zone de quarantaine. T'as vu les uniformes de la Fedra? Tu penses qu'il s'agit du WLF? Ouais, ils les ont laissés ici. C'est un avertissement. C'est horrible. Tu vois une entrée? Ellie, et si on grimpait sur le toit là? Ouais. Là on saute. Mais depuis où il faut qu'on monte? Mmh. Je te suis. Ellie, tu penses quoi de ça? C'est quoi ça? Il y a un truc qui fait beau bizarre. Ok, j'hallucine. Dina, aide-moi à grimper. D'accord. Hé, hey, forte aussi, hein. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. Bonne idée. Équilibre, ouais, bah ouais. Oh, purée.
Bien joué. Ils sont où ces enfoirés? Bah pas ici apparemment. Hein. Quoique. J'ai que 6 balles. 3 balles ici. Oh, ça fait pas beaucoup ça. Ouais, c'est pas très discret, je sais, mais on s'en fout. Encore une note. Ok, je me demande de quand ça date. D'un petit moment, là. Pour la plus grande opération d'Express Profil, Isaac peut récupérer toutes les dernières réserves du centre-ville. Récupérer de l'essence. C'est Revena. Ok, intéressant. On prend le tout, on aura bien besoin. J'espère en tout cas. Ok. Générateur. Ça marche. Le bouton rouge. Bah ouais. Hey, tout va bien? C'était quoi ce bruit? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Merci. Qui on? Le cheval aussi. Peut-être qu'il n'y a pas d'infecté, purée. Parce que pour moi, je suis pas discrète, hein. Y a pas de jus. Mais non. Grimpe-moi ça. Je vais passer par là. Il n'y a rien. Ok.
Ah, ça me dit pas comment je dois faire pour... Si la porte là elle marche... Bah moyen hein. Et où le... Est-ce qu'il y a... doit y avoir un générateur encore ou bien... Je prends celui-là et puis je le transfère. Bah non, apparemment c'est pas ça. On va tenter. Eh bah c'est limite. Il n'y a pas un truc. C'était effacé. Main gate 0512, on va essayer ça. C'est pas ça. Y'a que trois chiffres. Qui marche. Non. J'ai oublié quoi. Ah ouais. Yes. Ah. Bah c'est moyen, hein. On s'en va. On a assez traîné dans le coin. Main gate, bah c'était ça. Mais je savais pas que c'était le Nord 2. Tout qui était passé. Et maintenant, j'ai trouvé un papier là-bas. Pense sur la tête. Il y a des codes dessus. C'est marqué
qu'il y a une plante du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Cerevena. Alors, on va la chercher? Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va. Bah, je fouille rien, là. Merde, regarde. Hôtel Cerevena. Ça doit être là. Ok. Trouver le moyen de franchir le portail fuck Fedra. Très original. Au moins, c'est clair. Faut qu'on s'approche pour voir ça de plus près. Ok, c'est parti. Oh. Pardon. Ah, oh. Plus d'essence. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, oh, merde. La note. Quoi? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Bon, comment on fait pour aller? On explore un peu les environs, on verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici? J'en suis sûre. Alors, c'est quoi ça? C'est elle. Faites des révolutions de rapport. Nous sommes encore dans la capacité de revenir à la question de temps. Je compte valeur de n'est qu'un réfugié afin de préserver les réserves de nourriture. Nous devons multiplier des arrestations et durcir les condamnations. Les crimes de classe 2 sont désormais passibles d'expulsion. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Lieutenant Torres. Vous avez monté tout le monde contre vous. Ok, bon, on y va. Ok. Bon, où est-ce qu'on est? Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Ici. Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville, envahies par les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme mesure. Et efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles? Les deux. Les deux. Merde. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais, je vois ça. Fedra. C'est le dôme, c'est ça? Centre de distribution de rations. À Boston, la queue faisait plusieurs pâtés de maison. Et la bouffe était dégueu. Ça m'aurait rendu dingue. Certains pétaient les plombs. Ok. T'as vu un peu ces vitraux? On n'en voit pas beaucoup.
Distribution de carburant. Allez, c'est parti. On peut dire que la Fedra a bien barricadé cet endroit. Il y avait toujours des pénuries de nourriture à Boston. La faim rend les gens fous. On monte là ou... D'accord. Je monte d'abord à l'échelle, puis après... Il n'y a pas un truc à ramasser, bien sûr que oui. Génial. Ah, c'est une grenade. Ok. Et encore une note. Mais bon. Ici, lire. Première classe, Miller. Selon nos sources, les MVF auront une... Miller. On est parti dans la langue de... ça. Mais c'était pas Joël Miller. C'était Joël Miller, non? Et on va devoir tout explorer ces petits points d'interrogation. Parfait, ça. Non. Ok. On y va. Pourquoi ils ne sont pas rassurés ? Du tout. Oh. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici et puis on va continuer notre exploration la prochaine fois. Je pense qu'on va passer par là après. Il y a les châles et tout, ouais. Je pense qu'on va passer par là. Et puis je vous dis à une prochaine fois, passez une très bonne soirée. Et puis voilà. Ciao. J'ai hâte de jouer, la vache. Oh. Et trouvez Tommy surtout, hein.